Eh bien, yo tout le monde, bienvenue, c'est Starlight. J'espère que tout va bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, les potes, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo information sur l'événement Travis Scott sur le concert. Tout simplement, pour avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo. Objectif 10 likes en fait, cette vidéo. Et il y aura une toute nouvelle vidéo pour vous remercier. Et il y aura une vidéo surprise. Du coup, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut liker la vidéo. Allez, sans plus tarder, je te souhaite une très bonne vidéo. Et c'est parti, bonne vidéo. C'est parti pour tout simplement commencer avec l'événement Travis Scott. Tout simplement, l'événement arrivera tout à l'heure. Quand je dis tout à l'heure, je pense que tu comprends ce que ça veut dire. Vendredi 24 avril 2020, mais voilà, c'est un peu prélogique, on va dire. Ouais. À 1h, ce sera à 1h du matin pour nous, mais pour les Américains, vu que c'est sur les serveurs américains du Nord et du Sud, ça sera 17h chez eux. Du coup, nous, ça sera à 1h. Après, si vous voulez vraiment pas, si vous pouvez vraiment pas y aller, c'est pas grave, il reste tout d'autres dates. Il reste pour nous Europe, vendredi 24 avril 2020 à 16h. Du coup, je trouve que c'est une heure exacte pour y aller. Moi, je serai en live si tu ne peux pas venir. Du coup, si tu peux pas voir l'événement, viens sur mon live, tu pourras le découvrir en même temps que moi et vous. Après, si tu veux pas être spoilé de celui de tout à l'heure, je t'invite à ne pas aller trop regarder YouTube, surtout sur les chaînes information comme Thomas, tout ça. Moi, il n'y a pas de problème, tu peux aller me voir parce que je serai pas en live et il n'y aura pas de vidéo. Il y aura juste la vidéo information que je suis en train de te faire. Après aussi, nous allons parler de les informations sur ma chaîne. Oui, ma chaîne va très sincèrement évoluer, du coup, voilà. Je te souhaite de la regarder entièrement cette vidéo pour savoir toutes les informations sur ma chaîne et aussi toutes les informations sur Fortnite Battle Royale. Après, nous allons parler aussi d'un autre événement, mais pas celui du Travis Scott, l'événement de la saison 3 de Fortnite qui sera pas de la saison 3, pardon, de la saison 2 du chapitre 2. On en parlera tout de suite après la petite intro que je suis en train de te faire. Et enfin, pour le dernier truc, nous allons parler du skin Travis Scott et Astro Jack. Du coup, je te souhaite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On va attendre encore un petit moment. Et c'est parti, je te souhaite à toi une très bonne vidéo. Reste jusqu'à la fin pour tout savoir. Allez, à tout à l'heure. Bonne vidéo. That is all you need to know. You won't get.
out with my friend. This is how the story ends. Oh, it's a beautiful world we do live in. So his fate is in your hand. And I say, press one if you want him out. Press two and it's back again. Coucou, c'est moi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et commenter cette vidéo, mon petit. Allez, sans plus tarder, à plus. Et non, je suis encore là. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On envoie la vidéo parce que ça fait quand même longtemps que vous attendez cette vidéo. Allez, c'est parti. On lance tout de suite. C'est parti pour tous les montages. N'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout reste jusqu'à la fin. Allez, à tout de suite, c'est parti. Du coup, pour commencer, comme je vous l'ai dit en intro, du coup, on commence avec Hoskin, Travis Scott et Astro Jack qui sont maintenant dans la boutique Fortnite depuis le 22 avril. On attendait ces skins depuis très très longtemps, depuis qu'ils ont annoncé l'événement de cette semaine. On attendait depuis très longtemps aussi les dates. Et du coup, je vous rappelle juste un petit peu avant de vraiment tout commencer, les dates sont vraiment... Je vous l'ai dit en fait dans l'intro, je vais pas... Oh là là, oh je suis perdu dans cette vidéo les potes. J'ai tellement de trucs à vous dire aussi. Bref, sur les skins Travis Scott et Astro Jack, tout simplement on va commencer. Travis Scott, il a un style un peu Terminator. Il est stylé, mais il fait un peu trop Terminator. Moi, si vous allez voir l'événement, moi je vous conseille, je sais pas une obligation, je vous conseille de mettre skin normal, ça fait plus Travis Scott et ça va rentrer plus dans le thème. Après, aussi nous allons, après Astro Jack. Alors Astro Jack, il est très particulier déjà d'une, il est super stylé, je l'avoue, il est très très stylé. Moi je pense que c'est le meilleur skin, il est meilleur que Travis Scott. Pour ma part, c'est ça. Après, tu me le diras dans les commentaires ce que t'en penses du skin Astro Jack. Moi, je crée. En plus, il y a un style. Le deuxième style, c'est avec. Avec une terre. Et dessus, on voit la map de Fortnite chapitre 2 et de chapitre 1. Du coup, ça, c'est bizarre. Ça peut paraître avec une. Peut-être avec la saison 3 de Fortnite. Du coup, on va tout de suite y venir. Maintenant, on passe directement à la saison 3 de Fortnite Battle Royale. Il y aura peut-être un événement, une très boule, une boule géante que Midas tient dans sa pièce secrète. Des modeurs ont réussi à y aller. Je t'invite à aller voir sur YouTube. Je peux pas t'y afficher à l'écran. DSL, désolé. Je t'invite à aller voir sur YouTube. Après, aussi... Je pense que, on sait pas, mais apparemment,
celui qui travaille dans, il y a quelqu'un qui travaille dans Epic Games, il a pas confirmé, mais il a dit peut-être qu'il y aura deux maps, celle du Fortnite chapitre 2 et chapitre 1. Alors si Epic Games ils font ça, c'est trop bien. 100 joueurs dans le chapitre 1, 100 joueurs dans le chapitre 2. Oh, si c'est ça, et après quand on se tue tous, quand il reste une personne sur chaque île, après ils se rencontrent, ils se fight. Ça, Epic Games, s'ils nous font ça, Fortnite va vraiment très 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 évoluer. Vraiment. Après, nous allons tout simplement parler des infos de la chaîne. Alors la chaîne va changer, vous pouvez déjà y remarquer dans les vidéos que j'ai fait déjà dans les infos, plus dans les infos que je fais. Il y a des intro mascotte que j'ai fait. Du coup, si tu veux savoir quel site je prends, tu me mets 10 likes en bas de cette vidéo. Tu me le demandes dans les commentaires et je t'y montrerai. C'est vraiment très très facile. Tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses. Puis voilà, blablabla. Après, c'est tout ce que j'ai à te dire. Du coup, n'oubliez pas d'aller vendredi. Et ah si, j'ai oublié un truc, la scène, c'est ce matin, je suis allée, la scène n'était pas encore toute construite, mais elle était vraiment toute petite, comme l'avant-dernier live, elle était vraiment toute petite, et cet après-midi dans le live, va le voir si tu l'as pas encore vu, il est en relief, tu peux aller le voir, et tu verras que la scène a changé, elle a été vraiment nickel, elle est carrément finie, il y a le compte à rebours, qui est prêt pour ce soir à 1h du mat pour l'événement. Du coup, je te souhaite à toi une très bonne soirée. Bref, et si tu veux plus de vidéos, informations, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker. Et bref, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tout ça. Et c'était Starlight, reste jusqu'à la fin pour savoir un peu plus de la game que je suis en train de faire, si je fais toi pas ou pas. Je te dis pas tout ça, mais moi je te dis à ciao. C'était Starlight53. Allez, bye. I know that's a real shame, but this is how the story ends. Well, it's a beautiful world we do live in, so if fate is in your hand, and I say, press one if you want him. Press two and it's back again. So black, it's desperate, not 20 years back from today. A wild mother and a kid named Tony learning life the artist way. And I say, well, daddy is gone too soon for the young boy to stay cool. Well, Johnny rules in schoolyards, everybody say. A blue eyes clenched fist, man, it written for Tony to go astray, yeah. That is all you need to know. The young boy has become a young man. The vision is to grow. Hey boy, the path you were taking will lead you straight to the wall. Now boy, you look for trouble. I'm a policeman, cops are wrong, and you won't get away. Oh, bang bang, got you one stop, my friend. Oh. La 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 la
real shame, but this is how the story ends. Oh, it's a beautiful world we do live in, so his fate is in your hand. And I say, press one if you want him out. Press two and it's back again.